Salut, c'est Axel, j'espère que vous allez bien. Comme vous le savez, depuis plusieurs semaines, tous les lundis, présentation des nouveaux Star Power. Il y en a 3 par semaine pendant tout l'été pour aller jusqu'aux 27 brawlers. Et donc du coup, aujourd'hui, on va avoir 3 nouveaux. On a déjà présenté beaucoup de Star Power, hein. Shelly, Nita, Colt, etc. La semaine dernière, Dynamite avec son plus 1000 points de dégâts sur son ulti. Franchement, c'est très très propre et ça va faire très très mal. Alors moi, je ne l'ai pas encore débloqué. Le seul que j'ai débloqué pour l'instant, c'est le pansement de Shelly. Donc voilà, je ne sais pas vous, de votre côté, ce que vous avez débloqué. En tout cas, aujourd'hui, je vais vous présenter 3 nouveaux Star Power. Ça va être celui de Bartaba, celui de Frank et celui de Tara. On va tout de suite commencer par celui de Bartaba. Alors l'ancien Star Power de Bartaba, c'est usage médical qui lui permettait de se soigner à 300 points de vie à chaque fois qu'il attaquait, donc c'était plutôt pas mal. Et on va voir son nouveau Star Power qui va arriver très très bientôt, probablement mercredi, qui s'appellera Bien Arrosé, et tout simplement ses attaques vont faire 150 dégâts de plus par seconde, sachant qu'il a 952, ça fait un boost de 15% des dégâts. Avec ce nouveau Star Power, c'est plutôt pas mal, après à voir si le fait que le soin disparaisse, c'est pas impactant. On va essayer de partir sur une game, on va partir en prime, on va voir un petit peu comment on va s'en sortir. Donc son ancien Star Power était pas mal parce qu'il lui permettait de vraiment attaquer en permanence. C'est-à-dire qu'il a, même s'il prenait des dégâts, il n'avait pas forcément besoin de régène entre deux, puisqu'il se soignait avec ses, avec son Star Power. Maintenant, il va falloir aller directement se soigner si vous voulez, mais par contre, vous allez faire beaucoup plus de dégâts. Voilà, par exemple, regardez, 1092. Ça fait très très mal, hop, ça va permettre de se débarrasser du boule assez facilement. Hop, hop, le croc est mort ici également. Hop, et regardez sur l'ulti, alors j'aimerais bien, tiens, savoir, sur l'ulti, est-ce que l'ulti va être boosté aussi? Parce qu'il y a écrit sur les attaques. Ah, attendez. Ah non, 952 sur l'ulti. L'ulti fait encore 952, donc du coup j'ai l'impression que l'ulti n'est pas boosté par ce nouveau Star Power. Vous voyez, hein, 1092 sur les attaques classiques. Et 952 sur l'ulti. Donc du coup, l'ulti fera un tout petit peu moins mal que les attaques classiques. Mais par contre, bon, il y a forcément beaucoup plus d'attaques. Donc c'est plutôt intéressant quand même. Toujours, hein, les ultis. L'ulti de Bartaba fait quand même très très mal. Oh là, ça fait très très mal. Regardez-moi ça. Allez, ça dégage. Ça dégage tout ça. On se met très très bien. Alors, ils sont en train de nous dire. Attention, hein, attention, vous avez beaucoup d'étoiles. Faut pas mourir maintenant. J'avoue que faudrait peut-être que je me soigne. Vous voyez, là par exemple, avec l'ancien ulti, enfin avec l'ancien Star Power, je peux continuer d'attaquer et je me soigne au fur et à mesure. Donc du coup, je serais pas arrivé à cette situation-là où, bah finalement, là il faut que je me calme un petit peu, que je m'arrête, hop, je me régène, et on va pouvoir repartir. Hop, tu vois. Oh putain, alors je suis mort là, je suis mort. Oh non, 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 oh, je suis resté dans mon ulti, je me suis dit, allez, au pire, quitte à mourir, autant forcer les ennemis à venir me chercher. Allez, tiens. T'es mort, toi. Ouais, t'es mort. On est en train de faire un broyage, hein. Un broyage. Comme d'habitude, comme tous les lundis, on est obligé de jouer sur la version de dev, hein, bien sûr. Donc du coup, en version de dev, c'est des bots qu'on affronte. On peut pas faire autrement. Et donc du coup, bah voilà. On leur met un petit peu la misère, là. Mais plutôt intéressant, ce nouveau Star Power. Et comme on a vu, par contre, l'attaque est infectée, mais pas l'ulti. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose à savoir, hein, parce que bon, 15% sur l'ulti, ça aurait été encore mieux, mais bon, là, ça fait 15% sur l'attaque principale. Alors, comme je le disais en introduction, bien sûr, Bartaba sera pas le seul à avoir un nouveau Star Power cette semaine, puisque il y en a 3 qui vont sortir. Le deuxième, ça va être Frank. Frank, son ancien Star Power, c'est Tour de Force, tout simplement, quand il tuait un adversaire, il récupérait un boost de 50% de dégâts pendant 12 secondes. C'était vraiment très très fort. Et écoutez, le deuxième Star Power, ça va être plutôt basé sur la défense. Le premier est plutôt agressif. Le deuxième va être plutôt défensif, puisqu'il va permettre de donner 1000 points de vie en plus sur votre Frank. Donc du coup, il va passer de 8120 à 9120. Donc plutôt intéressant. On va voir, ça va lui donner de la survie. C'est vrai que parfois, il manquait un petit peu de survie. Il était facile à dendre pour certains brawlers, genre des Shelly, des boules, etc. Donc là, peut-être qu'il va permettre de rentrer un petit peu plus de dégâts. On va voir ça. On va partir. On est sur du prime. On est toujours sur le même mode, bien entendu. Et on va aller chercher à faire des dégâts et du massacre pendant 2 minutes. Hein. Hop là, et bim. Regardez-moi ça. Hop là, hop là. Alors là, on n'est pas subtil, hein, vous voyez. Hop là, on n'est vraiment pas subtil. Hop, bon bah, mis 1000 points de vie, ils m'ont pas trop servi, là. Mais 1000 points de vie, on va voir. Est-ce que pendant la vidéo, est-ce qu'on va tomber sous les 1000? On va voir ça. Pour l'instant, c'est pas le cas. Ouais, et il est full débile quand même le Karl. Je veux pas dire, mais regardez-moi ça. Oh, mais ils savent pas jouer contre Frank. Oh, il a réussi à s'échapper, lui. Alors, est-ce qu'on va réussir à tomber sous les 1000? Oh, peut-être. Ah, bah, ça, on est tombé sous les 1000, mais on est mort juste après.
Donc finalement, mon star power qui a pas été trop utile hein, dans ce cas-là. Ah bah attendez, comment ça se fait qu'on a... Oh putain, je croyais que c'était l'autre croc. C'était le nôtre. Alors attendez, parce que là, on va quand même essayer de pas perdre. Voilà, regardez, mettons des grosses tartes dans la tête. 1680 dégâts quand même hein, sur l'attaque principale. Et ça, c'est sans le boost de 50% qu'il y avait avec l'autre star power. Hop, alors attendez, j'ai du mal à sortir mon ulti là. Ah voilà, oh, un bel ulti qui fait plaisir. Allez, boum, voilà, dégage. Ok, mais par contre, du coup, vous voyez, hein, quand on tue quelqu'un, du coup, on devient plus énervé. C'est vrai que c'était assez fun de voir le Franck s'énerver là, quand il était tout rouge. C'était plutôt cool, ça fait vraiment genre Hulk, ça fait vraiment le gros bourrin de base, quoi. Donc quand il tuait quelqu'un, il était vraiment encore plus fort. Mais là, ça a pu le faire. Allez, tiens, dégage-toi. Oh oui! Oh là là là, la boucherie. Hop là, vas-y. Ouais. Voilà, on réfléchit pas. Franck, c'est un brawler. Vous avez envie, quand vous le jouez, de pas réfléchir. Et pourtant, c'est dommage parce que c'est vraiment un brawler, quand même, qui est pas si facile que ça à jouer. Et il faut réfléchir, mais c'est vrai que quand vous voyez un petit peu le bonhomme, vous vous dites « Non, mais ça, y a pas besoin de réfléchir. Regarde, je tape comme un gros bourrin pendant plein de temps. » Et je meurs jamais. Et bah écoutez, faut quand même un petit peu réfléchir. Le nouveau Star Power, je sais pas ce que vous en pensez. Je vous avouerai que moi, le 50% de dégâts en plus pendant 12 secondes, c'était vraiment, vraiment OP. Donc à voir la survie peut-être en survivant qui va être intéressant. Et enfin, le troisième brawler à récupérer un Star Power cette semaine, ça va être Tara. L'ancien Star Power de Tara, on le sait, hein, c'est Portail Sombre. Ça permettait, quand elle faisait un ulti, de faire sortir une ombre qui attaquait les ennemis. Bah écoutez, cette fois, on va avoir une ombre réparatrice. C'est la même chose, on va avoir notre portail, donc notre ulti. Il va y avoir une ombre qui va sortir, sauf qu'à la place d'attaquer les ennemis, elle va soigner vos partenaires et vous-même. Donc on va voir un petit peu comment ça se passe. Je vous avouerai que moi, sur la vidéo, sur la tier list des Star Power, je l'avais mis assez bas parce que je voyais pas trop comment ça allait se passer. Donc on va voir un petit peu ici, dans cette vidéo, comment on va pouvoir s'en sortir et l'impact que ça va avoir. Alors attendez, hop. Ok, l'avantage, c'est qu'on va récupérer un Star Power très rapidement pour tester. Allez, vite. Ok, tant pis. Allez, viens par ici. Et j'avoue, il faut pas mal d'attaques, hein, finalement, pour que Tara, il cherche son ulti. Tiens, hop, ok, oh le grab, il a tenté de me grab lui. Alors, ok, alors on va voir. Ok, on peut toujours les remettre ensemble. Alors on a une ombre ici. Et elle soigne. Alors est-ce qu'elle soigne bien? Soigne-moi. Oh, 400 par 400, c'est pas dégueulasse, par contre elle bouge pas du tout. Ce qui la rend peut-être un poil vulnérable. On a vu hein, ici, elle a pas du tout bougé. Ouh, alors là ça fait très mal. Ça fait très mal. On va essayer de se soigner quand même. Oh bah qu'est-ce qu'il nous fait le bar tabac ici? Il s'énerve. Le jean. Alors attendez. Voilà, parfait. Hop, tiens. Allez, tiens. Ah merde. Ah et du coup va falloir vraiment essayer de sauver son ombre. Parce que là elle s'est fait instant dépop, ma pauvre ombre. Du coup elle a pas eu le temps d'attaquer. Voilà. Peut-être. Voilà. Alors, ça nous fait une tourelle de soins. Ça nous fait une tourelle de soins. 400 par 400, mine de rien, c'est pas dégueulasse quand même. C'est loin d'être dégueulasse. Ça peut être plus intéressant que ce qu'on pensait. C'est vrai que ça manquait de brawlers qui soignaient. Eh ben écoutez, on va en avoir des nouveaux. Hop. Oh non, tue pas ma... Oh, il a tué. Bon allez, on est en train de faire du massacre, il nous reste 17 secondes. Oh putain, mais j'avais pas vu. Oh, je pensais que c'était un noob ça. My bad. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ce Star Power? Qu'est-ce que vous en pensez de ce nouveau Star Power de soin? Ça peut être intéressant. Ça nous met une tourelle. Le problème, c'est que du coup, elle arrive vraiment très très proche des ennemis, hein, vu qu'elle regroupe tous les ennemis au centre. Donc, elle est très très proche des ennemis. Elle a pas tant de PV que ça, 2400. Elle peut mourir assez vite. Donc, du coup, à voir si ça peut être intéressant, si ça peut rester sur table assez longtemps pour donner de la value à cette ulti. Mais en tout cas, franchement... ça peut être plutôt pas mal. Voilà pour ces trois nouveaux Star Power. Donc du coup, je rappelle, Bartaba qui récupère 150 dégâts sur son attaque principale. Franck qui récupère 1000 PV de manière générale. Et enfin, Tara qui récupère une ombre qui fait des soins à la place des dégâts. 400 soins, c'est quand même pas dégueulasse. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous voulez plus d'informations sur les nouveaux Star Power, vous pouvez regarder ma vidéo de tier list, mais vous pouvez également vous abonner à la chaîne, comme ça vous aurez en avance, vu que je suis partenaire Supercell, vous aurez en avance toutes les sorties sur les nouveaux Star Power. Allez, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très très bientôt, bisous, bye bye.